read first from a book with a complicated title. It's called The Real Subject, Queries and Conjectures of Jacob Delafaux. But you don't need to worry about the title. It has nothing to do with, doesn't much to do with the book anyway. But I'll read a couple poems from that. One called Singular. Singular. Have spoilt me, you have, bodies of planets. Angels forced to postulate matter. Asked her, I asked, if she would like to dance. How crude we are. Composed of ether, of either. Is it for such insults that I have climbed all these flights? Singulier. Gâté, vous m'avez, corps céleste, ange, contraint à postuler la matière. Lui demander, je demandais, si elle voulait danser, si grossiers sommes-nous, composés d'éther, de terre, est-ce pour de telles insultes que j'ai gravi toutes ces volées? Aftertaste. Half unawakened. Lost word. Absorption of light and scattering. Startling and the place. This is how it happens every night, a little weaker. Dreams of uncertain etymology. Arrière-goût. À demi pas éveillé, mots perdus, absorption de la lumière et éparpillement, surprenant. Le lieu. C'est ainsi que cela se passe, chaque nuit un peu plus faible. Rêve d'une étymologie incertaine. The rest of the poems I read are from a later book, Windfall Losses. Communication. No sooner is the tea into my teacup and Rosemary settled comfortably across the room into Proust's world, I begin this scratching around after some semblance of elegance. Does that mean that I want
to say something? I don't think so. But I confess a hankering after periodic sentences, even while writing some other kind. As for Earl Grey, whoever he was, we may assume he preferred a rough but aromatic brew. There is an elegant poem by Swift on a bride who, unwisely, on her wedding night, has 12 cups of tea. The kind of tea not specified. In experiments by Delgado and others, miniature electrodes are implanted in the tissues of the living brain, and precise charges administered by radio control. Sham rage, sham sex, sham sleep are all available by command. Charnue's love life with such a device could have been straightened out. Maybe also Proust's and his asthma. Everyone must have noticed, so it's nothing much to be saying, how everything we drink turns to urine. Everything flows sooner or later, and the rivers, being as they are, full of putrid matter and poison and whatever we've eliminated, I suggest thinking twice before stepping in. Otherwise, for the moment, no message. Communication. Le thé à peine versé dans ma tasse et Rosemary confortablement installée à l'autre bout de la pièce dans le monde de Proust. Je commence à griffonner en quête d'un semblant d'élégance. Cela signifie-t-il que je veux dire quelque chose? Je ne le pense pas. Mais j'avoue nourrir le désir de période, même alors que j'écris autrement. Quant à Earl Grey, mais qui était le marquis de Grey? On peut supposer qu'il préférait son infusion sommaire, bien qu'avec de l'arôme. Il y a cet élégant poème de Swift sur une fiancée qui, au mépris de toute sagesse, boit 12 tasses de thé la nuit de son mariage. On ne dit pas d'où vient le thé. Lors d'expériences menées par Delgado et d'autres, des électrodes miniatures sont implantées dans les tissus d'un cerveau vivant et des charges précises administrées sous contrôle par radio. Simulation de rage, simulation de sexe et de sommeil accessible sur simple demande. Un pareil procédé aurait corrigé la vie amoureuse de Charlus, peut-être aussi celle de Proust, ou bien son asthme. Tout le monde doit avoir constaté, aussi est-ce peu de le dire, combien tout ce que nous buvons se transforme en urine. Tout finit par couler, tôt ou tard, et les rivières se remplissant, comme elles font, de matière putride et de poison et de tout ce qu'on élimine, je suggère d'y penser à deux fois avant d'entrer dans l'eau. Sinon, pour le moment, pas d'autre message. The next poem is called Money. And I would like to have it noticed that the text translated into Danish prose, which I
couldn't read, I don't know how correct it is, was reprinted in an encyclopedia under the topic money. They sent me a copy of the encyclopedia and a dictionary of Danish English, but I must admit I never managed to read the poem in Danish. Money. Money is pure spirit. It's what you convert things into so as to carry their value without their weight. Let me read that sentence over. It's what you convert things into so as to carry their value without their weight. Things, everybody agrees, are interchangeable. Everything has its price. Money is the philosopher's stone. In the mind, too, the hard law holds everything must be paid for. You'd think at some point or other there'd be an unexpected surplus. One of those chain letters could come through with 4,096 $1 bills. You can't deny some people do seem to make fortunes from next to nothing. I treasure Blake's proverb about the fountain overflowing, and even more an old phrase about a fountain of gardens. But I'm jotting down here just so I won't forget how feelings that seem timeless pass quickly out of currency. Those who think God created heaven and earth must consider him number one spendthrift. They must found their hopes on possible blunders in his accounting. It's hell to be poor. L'argent. L'argent est pur esprit, en quoi l'on convertit les choses afin d'en porter sur soi la valeur sans s'encombrer du poids. Les choses, nous en convenons tous, sont échangeables. Toute chose a un prix. L'argent, c'est la pierre philosophale. Dans la tête aussi, la dure loi prévaut. Tout se paie. À un moment ou un autre, on voudrait pouvoir attendre un excédent inespéré, que cette chaîne postale aboutisse à 4096 billets de 1 dollar. Il est indéniable qu'il y a des gens qui bâtissent des fortunes sur presque rien. Je fais grand cas du proverbe de Blake au sujet de la fontaine qui déborde et, plus encore, de la vieille expression à propos d'une fontaine de jardin. Mais je note ici, afin de ne pas l'oublier, que le cours de sentiments qu'on s'imagine intemporel se dévalue très vite. Certains, qui croient que Dieu a créé le ciel et la terre, doivent le tenir pour le premier des paniers percés et fonder leurs espérances sur d'éventuelles bévues dans sa comptabilité. C'est l'enfer d'être pauvre. The next poem is called To Rose Marie in Bad Kissingen. It was, I sent it actually as a
as a letter. I forget where I was, but she had gone to Bad Kissingen to see her sister. And this was my letter to her there. It was strangely it was published in the New Yorker, but they asked if I wouldn't mind them cutting off the first stanza. They would rather have the poem without the first stanza. I said no. If you're going to publish it, it has to be with all the stanzas. So this is called To Rosemary in Bad Kissingen. I just squashed a fat fly who was buzzing me, but he's more disgusting dead. If we go by numbers, my old zoology prof used to say, this is the age of insects, more specifically of beetles. This is also the age of information. I hope the church bells of Bad Kissingen aren't keeping you awake, though it's nice hearing tones decay. You won't let the bells chase you to church. Somebody just the other day claimed that you and I haven't any roots. He thinks that's bad. It's true enough that we've fallen between two generations, one drunk, the other stoned. The one has inhibitions to get rid of, you know what that means, liquor and analysis. The other, a great blank space to fill. The wars of the young, I think, will be wars of religion. But all this letter is really meant to say is that you should leave those kraut Quasimodos at their Glockenspiels and hurry back here. Because whatever we don't see together has for me always a dead spot somewhere. Even though I know that one place is much the same as another, and all the air we could breathe anywhere in the world has already numberless times been the breath of a fern and a marigold and an oak. Pour Rosemary, à Bad Kissingen. Je viens d'écraser une grosse mouche. Elle me poursuivait, mais elle est encore plus dégoûtante une fois morte. Si, comme mon vieux prof de zoologie avait coutume de le dire, le nombre nous détermine, nous sommes à l'âge des insectes, et plus précisément, des blattes. C'est aussi l'âge de l'information. J'espère que les choses de Bad Kissingen ne te réveillent pas. Pardon. J'espère que les cloches de Bad Kissingen ne te réveillent pas. Encore que. Il est agréable d'entendre diminuer les sons. Ne laisse pas les cloches te chasser à l'église. Quelqu'un, l'autre jour, a déclaré que ni toi, ni moi, n'avions de racines. Il pense que c'est mal. C'est assez juste. Nous sommes tombés entre deux générations. L'une picole et l'autre se défonce. La première veut se défaire de ses inhibitions. Tu sais ce que cela signifie, alcool et analyse. La deuxième a un vide à combler. Les guerres de la jeunesse seront, je crois, des guerres de religion.
Mais le but de cette lettre, c'est surtout de te dire que tu devrais laisser ces Quasimodo de Bosch à leur Glockenspiele et te dépêcher de rentrer parce que tout ce que nous voyons séparément me parvient plus ou moins amorti, même si je sais qu'un endroit en vaut un autre et que tout l'air qu'on pourra jamais respirer a déjà maintes fois dans le monde été inhalé par une fougère et une marguerite et un chêne. Thank you. Merci Pascal, Rosemary et Keith. Merci infiniment à Serge et Kiko de nous avoir reçus ce soir. Et on peut donc descendre, prendre un verre à l'étage en dessous. Et voilà. Merci à tous d'être venus. Donc, je rappelle, il y a des livres derrière sur la petite table. Nos prochaines lectures reprendront sans doute en janvier. Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste de diffusion, vous pouvez le faire à doublechange.org. Voilà. Merci.